STV, votre télé. The government has put in place emergency maneuvers to ensure that petroleum is with the first consignment of the imported products to be made available this Tuesday here to Cameroonians with the same prices assurances made by the Minister of Water and Energy as well as that of Trade following the fire incident at Sonora. Details of this fire incident as well as a presentation of this structure in this newscast. Muslim faithfuls in Cameroon have classified the 2019 fasting period as one which is to enlighten them on the solutions they have to propose to ensure the end to the current security and other crises that the country is currently going through as they draw closer to the end of the fasting period. And in sports, Ivorian rider Cisse Isiaka has won the third lap of the Cameroon International Cycling Tour from Yaoundé to Ebolova and stands tall on the general classification 3 seconds ahead of Clovis Kamzong Abesolo. This and other sports items are coming up in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. This is the 8 p.m. bilingual newscast on STV, and we begin in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Jean-Paul Sama. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Incendie à la Sonara à travers un point de presse. Le gouvernement a donné quelques clarifications hier à Yaoundé. L'approvisionnement du marché ne sera pas interrompu. Le prix des hydrocarbures ne va pas, ne sera pas en hausse, contrairement aux informations relayées depuis cet incendie qui a paralysé les activités à la Sonara. Olivier Bouzic. Les dégâts de l'explosion sont énormes et évalués à plusieurs milliards de francs CFA. 4 des 13 unités de la chaîne ont été consumées, mettant en arrêt le processus de raffinage. Défaillance technique, mauvaise manœuvre aux mains mises, le gouvernement joue la carte de la prudence sur les véritables causes de cet incendie. Les premières informations que nous avons suggèrent des causes techniques, mais laissons l'enquête aller jusqu'au bout. Pour continuer d'approvisionner le marché, le processus d'importation a été lancé. Les premiers navires de produits arriveront d'ici le 4 mai prochain, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Nous n'avons pas attendu, on a immédiatement activé le mécanisme d'importation afin qu'on continue à détenir les sorts de sécurité et qu'on ait des stocks commerciaux qui permettent aux marketeurs de faire leur travail et d'assurer un approvisionnement continu, serein et régulier du marché. Dès mardi, on va commencer à décharger les premiers navires à partir du quai pétrolier de la SDP à Douala. Contrairement aux informations annonçant une inflation des prix des produits pétroliers, le ministre du Commerce rassure. Au niveau actuel du prix du baril, qui est de l'ordre de 61 et quelque chose de dollars, des éléments de notre structure de prix nous permettent de dire de manière ferme, définitive, que les prix resteront inchangés. Ne pas se laisser abuser par les spéculateurs de tous bords. Et pendant ce temps, le gouvernement entend poursuivre le processus de réhabilitation de la Sonara, ce qui devra permettre d'opter la production de la société actuellement à 3 500 000 tonnes par an. La Sonara va vaquer à d'autres occupations. Il faudrait finaliser ces travaux de réhabilitation et de modernisation pour la première phase. Il faudrait continuer le processus pour la deuxième phase de modernisation de la raffinerie. Et en même temps que Sonara doit continuer à travailler aux côtés des autres marketeurs, comme je l'ai dit, pour approvisionner le marché. Ces travaux de réhabilitation vont durer 12 mois. In close to 800 workers, the National Oil Refinery was created by former President Ahmadu Ahidjo to refine crude oil. After close to 32 years, the company has been undergoing a vast extension work which began 10 years ago. Peter Saucier.
The National Oil Refinery, Sonara, was created by presidential decree on the 24th of March, 1973 and incorporated on December 7, 1976. An established convention between the government of Cameroon and the company was reached on the 11th of January, 1978. Inaugurated in 1981, Sonara places at the disposal of the market petroleum products such as butane, distillate, gasoline, jet fuel kerosene, as well as fuel. The company has seen its capital increase considerably over the years, from its initial capital of 400 million francs CFE to 4 billion in November 1977, 14 billion in January 1990, 17.8 billion in 1992, and now 23 billion francs CFE. The refinery has a production capacity of 2.1 million tons a year and is specialized in treating Arabian light crude oil. But as Cameroon produces heavy crudes, there exists an inadequacy in the tools to treat the country's oils. After 32 years of exploitation, Sonara has undertaken an extensive update and modernization of its installations. The company hopes to increase its production capacity to at least 3.5 million tons, capable of treating heavy crudes in the future. According to the first lift project, which began since 2005, the control units will be digitized, while truck and ship loading stations will be modernized. And on to this brief, another fire incident was recorded this Monday at Sonara, with one of the tanks going up in flames, but was rapidly tackled by the firefighters at the scene. And we shall bringing you more details on this. We now talk about customs in this newscast with you, Orian. Effectivement, Jean-Paul Sama, et ouverture ici à Douala ce jour même de l'atelier sur le programme de l'opérateur agréé. L'objectif est de créer un partenariat douane-entreprise fort, un environnement commercial sécurisé, transparent, prévisible et pour une meilleure prospérité économique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général des douanes, Edwin Fongot Nouvaga. Les précisions avec René Narcisse Moto et Julie Pou. Les respectueuses salutations. Pour les objectifs spécifiques, il est question d'utiliser les participants à la maîtrise du concept, du dispositif et des avantages y afférents. Susciter l'adhésion des parties prenantes à la mise en place du concept, de déterminer les conditions de mise en œuvre et les mécanismes d'implémentation et élaborer un chronogramme de mise en œuvre du statut. En termes de résultats escomptés pour la place portuaire du Cameroun et l'attractivité du commerce de notre pays, il convient de dire que ce statut permet à l'opérateur d'enlever ou d'embarquer sa marchandise et de procéder aux formalités administratives plus tard. Il découle forcément un gain de temps et une prévisibilité des échanges pour les opérateurs. Cet atelier qui se déroule du 3 au 7 juin 2019 est non pas seulement à l'intention des personnels douaniers, mais également des entités publiques et parapubliques, notamment celles qui interviennent dans la chaîne de dédouanement. On y retrouve aussi des partenaires de la chaîne logistique, du transit et du transport, les syndicats et groupements patronaux et les entreprises. Le concept, il est promu par les instruments de l'OMD et l'AFE auxquels le Cameroun a souscrit. Donc, ce concept-là, il est applicable pour le Cameroun et les opérateurs économiques du Cameroun. Deux axes principaux pour meubler les travaux. Et tout d'abord, la présentation du concept de l'opérateur économique agréé et du dispositif. Et en second, les questions relatives à l'environnement national. Cet atelier intervient à la suite de la sollicitation de la Direction générale des douanes auprès de l'Organisation mondiale des douanes en vue de la mise en œuvre de l'opérateur économique agréé. De presse ce jour ici à Douala. Il est question de trouver une solution véritable à la sortie de crise sociopolitique dans laquelle est enlisé le Cameroun depuis environ 3 ans aujourd'hui. Une fois de plus, René Narcisse Mouton.
Les trois organisations sont... L'un des points essentiels de cette rencontre avec la presse aura été celle de savoir ce que fait la société civile camerounaise pour apporter sa contribution dans la quête des solutions à la crise sociopolitique et qui secoue le pays depuis près de 3 ans. Pour le REDAC, malgré la volonté de la société civile à faire bouger les lignes, il reste que le système en place a miné cet acteur social. Le gouvernement camerounais a miné la société civile, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que comme il a fait au parti politique, il a fait ça à la société civile. Avec la corruption, l'achat de conscience, vous êtes, d'ailleurs vous aussi les journalistes, vous vivez ça. Vous avez en même temps aussi des gens qui vous ont, vous êtes filés, vous êtes sous surveillance. Vous êtes phagocytés. Donc, automatiquement, quand vous faites une réunion, aujourd'hui, le lendemain, alors que vous avez dit que c'est une réunion confidentielle qui ne sort pas de là, vous entendez quelqu'un à la radio dire « on a fait la réunion au REDAC ». Pendant que vous êtes en train de structurer une action, on a fait la réunion au REDAC, on a même dit que... Mais c'est ça la réalité camerounaise. Pour Raymond Aveni, la presse camerounaise a aussi sa part de responsabilité en ce qu'elle se laisse parfois acheter par les pouvoirs publics ou autres personnalités. Une mobilisation ne peut pas exister en termes de construction d'action publique sans un accompagnement médiatique. Or, quand moi je regarde les médias et tout, il y en a qui font ce travail d'éducation, mais il y en a qui sont, j'allais dire, achetés, il faut le dire comme ça. Loin de se décourager, malgré toutes ses pesanteurs, le REDAC, de même que ses partenaires, demeure convaincu que le changement peut s'opérer si et seulement si des synergies positives et évolutives sont mises en place. Il faut construire quelque chose de bien, bien fondamental. Quelqu'un disait, vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions. Si le peuple n'est pas bien éduqué, qui n'a pas bien compris l'action à laquelle vous voulez, n'est-ce pas, vous voulez qu'elle adhère, et si en même temps il n'y a pas les leaders, ça peut être les leaders sociaux, qui sont conscients d'avoir un seul projet ensemble, vous pouvez toujours tourner en rond, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de changement. Tout compte est fait, l'appel lancé ce jour par le REDA, qui avait à ses côtés un monde à venir et dynamique citoyenne, et que les Camerounais prennent leur destin en main, au risque de sombrer dans l'obscurantisme. Lyon en divagation dans le Mbamekim, nous sommes là dans la région du centre. Le ministre des Forêts et de la Faune s'active pour trouver une solution au problème. Jules Dorine Dongo a rencontré ce jour une mission d'investigation. L'objectif est de mettre sur pied une stratégie de translocation de ces félins. Compte rendu, Olivier Bouzic. Avec la mission d'investigation reçue en audience, le ministre des Forêts et de la Faune a mis au point toute une stratégie de translocation de ces félins. Le projet nécessite une préparation rigoureuse et méthodique. Il faudra au préalable neutraliser ces lions et les amener dans un enclos d'habituation. Cette préparation va commencer par l'identification du site où nous allons construire un enclos pour que ces félins soient de nouveau habitués à leur milieu naturel. Ce site de construction de l'enclos doit être identifié très rapidement. Nous comptons le faire dans la semaine et les experts iront vérifier et s'assurer qu'il y a adéquation. Les experts le feront cette semaine. Ils sont là derrière nous et ils nous ont confirmé cela. Et ensuite, nous avons déjà fait venir des cages de l'école de faune de Garoua pour éventuellement aider au transport de ces félins une fois qu'ils ont été neutralisés. Les opérations de neutralisation seront faites par des experts. Cela demande du matériel approprié, adéquat et des produits qui sont utilisables et utilisés dans ce genre de circonstances. Cette opération nécessite d'importants moyens financiers. Mais en attendant les réactions des différents partenaires, l'urgence est de plus en plus pressante. Les récentes informations données par le comité de veille qui travaille au quotidien sous la présidence de M. le préfet du Mbamekim, ces informations indiquent que les félins se rapprochent de plus en plus des habitations et dans des populations. Même si les experts nous expliquent que généralement le lion ne s'en prend pas à l'homme, sauf s'il se sent en danger ou s'il est attaqué, il est de notre devoir au ministère des Forêts et de la Faune de veiller à ce que nous n'atteignions pas cette extrémité et qu'il n'y ait pas d'attaque sur
une personne physique. Je dois d'ailleurs dire que jusque-là, nous profitons de, sur la base des instructions que j'ai données, nous sommes tous tombés d'accord, les bergers, les populations, les ONG, les techniciens du ministère des Forêts et de la Faune et les experts, pour que tout soit fait pour ne pas mettre en danger la vie de ces lions. Rappelons que lorsque le problème est survenu, le ministère des Forêts et de la Faune a pris un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d'un comité local de veille et de gestion des attaques, et appel a été fait à une équipe mixte d'experts et techniciens composée de nationaux et d'expatriés pour gérer la situation. Vous l'aurez corrigé de vous-même, il s'agissait bel et bien de Mireille Siabzé, non Olivier Bouzicu. Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. L'objectif, trouver le bon équilibre entre les enjeux de développement et la nécessaire préservation de la nature à travers l'implication de tous. La convention que nous avons signée aujourd'hui avec le ministère de l'Environnement, Protection de la Nature et du Développement Durable est d'une très grande importance pour le FECOM parce que nous menons depuis plusieurs années des actions de développement durable sur le terrain et nous savons que toute action posée sur la nature a une conséquence sur cet environnement. Donc c'est une convention qui nous aidera à pouvoir mitiger un ensemble de risques pour pouvoir protéger donc l'environnement et également lutter contre la désertification. Parce qu'il faudrait dire que toutes les écoles, par exemple, que le FECOM construit, finance, toutes ces écoles donnent lieu de façon automatique à la construction du nombre d'arbres qui a été détruit pour la charpente faite pour ces toitures. Donc c'est une action qui attire tout notre intérêt. Et dire aussi que le FECOM, ces derniers temps, est engagé dans un processus de fonds verts et nous avons besoin du ministère de l'Environnement pour nous soutenir dans le cadre de cette action. Je pense que donc c'est une continuation, ce qui est en train de faire. Je pense que le FECOM, avec son expertise, le FECOM comme pourvoyeur de fonds pour les communes, et nous aussi en apportant la matière, c'est-à-dire la biodiversité, le changement climatique, problème d'assainissement qui regarde les maires, les mairies, et nous sommes en plein droit d'être avec les maires et le FECOM pour que nous travaillions la main dans la main afin de relever les défis effectivement que le président de la République nous a confiés. Over toward the southwest region, parents in Boya say raising children in the current atmosphere is not easy, but a lot of love has to be put into the child's development process so they can grow to be the jewel in their eyes. Pelagie Kwene reports. Being a parent is definitely not a walk in the park. It has its challenges long before kids are even born, with many complications resulting from pregnancy as they tell their stories. Lenji, when you want to raise up a child to do what is right, and you have that child telling you, Mama, your day is over. This day is my own day now, you know. Your turn is over, you know. This is my day, you know. Or you both. The means of paying their school fees. They have a child who is drug addicted. It's not easy to manage up with a child like that. While many children do not appreciate being knocked to clean their room, but someone had to help fight off the dust by instigating a strong drive to handle tiny responsibilities, reason why parents' roles can hardly be undermined. Have obligations, and you know you have to provide for daily bread to your family members. You have to ensure that you pay rent. The fact that we are living through a very, very morose economic environment and it requires extra work. The home is made a place where they can find friendliness. They will always, you know, choose to stay in the house. But when the home is made a way that they don't find a friend at home, you now find the challenge to become so big. Hence, 1st of June has always been a remarkable day since 2012, declared by the UN as Global Day of Parents to honor parental units around the world. Meanwhile, children on their part have as duty this day to thank their first teachers and nurturers for helping them cope with upbringing right up to adulthood, just like the famous Cameroonian and Nigerian singer Prince Nico Popular's band, released in 1976,
titled Sweet Mother. Dans la religion à présent, la communauté musulmane scrute le ciel en ce moment, espère voir la lune qui viendra mettre fin au mois du jeûne du Ramadan, jeûne qui s'est déroulé cette année dans un contexte de crise sociopolitique au Cameroun. Les propositions de sortie de crise sont attendues de la part des musulmans sélectionnés à l'issue de ce mois de carême. Marquet d'Alidignotion. À quelques heures de la fin du mois de jeûne du Ramadan, la communauté musulmane est attendue avec des propositions de solutions fortes destinées à permettre au gouvernement camerounais de résoudre les différentes crises actuelles. À chaque fois qu'une société découvre des freins qui touchent son être ensemble, son vivre ensemble, sa paix, il faut pouvoir poser des diagnostics de savoir qu'est-ce qui ne va pas et comment pouvoir les résoudre. Et notre carême, le Ramadan 2019, est un Ramadan qui vient pour dire la solution que les musulmans devront donner à la sortie du Ramadan à la société camerounaise comme étant les échantillons ou les propositions de solutions pour les sorties de crise. Pour cet imam, seuls des musulmans sélectionnés sont appelés à faire de telles propositions en cette période de jeûne. Et c'est la raison pour laquelle cette période de pénitence, de spiritualité, pour des hommes sélectionnés, ce n'est pas pour le commun des musulmans, les hommes spirituels sont des hommes sélectionnés pour ce genre de travail, de pouvoir gagner, n'est-ce pas, en spiritualité, sur des conseils à pouvoir le dire au monde ou à la nation camerounaise qui dit... Nous nous gênons dans ce contexte, mais ce contexte, à la sortie de notre carême, ne peut connaître de solution que si et seulement si nous nous essayons de réaliser ceci. Donc, nous nous gênons dans un état presque de tension où il faut faire très, très attention et il faut mettre sa foi en évidence pour que la spiritualité puisse être une solution au problème. Une solution spirituelle dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sans oublier Boko Haram, dans la région de l'Extrême-Nord. Tous cyclistes internationaux, nous sommes là en sport. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, premier ex-aequo en tête du classement général. L'Ivoirien Cissé. En 3h59 minutes 51 secondes, d'une distance de plus de 151 km, avec une vitesse moyenne générale de 37 km/h 800. Après avoir longtemps été dans le groupe des échappés, c'est à quelques kilomètres de l'arrivée que tout s'est joué pour l'Ivoirien. Attendu, j'ai été patient. Dernier 9,5 km, je suis sorti. C'est là que la différence. Arrivé second, Clovis Kamzon Abessolo de l'équipe SNH Vélo Club du Cameroun marque son peu de satisfaction pour une course que l'équipe du Cameroun n'a pas pu gérer jusqu'à la fin. Un peu satisfait parce que... Comment est-ce que au classement général, l'Ivoirien Cissé Issiaka et le Camerounais Kamzon Abessolo ont un même temps de course, à savoir 10h46 minutes 02 secondes, suivi du Bulgare Konstantinov Radouza, prochaine étape entre Pouma et Kribi demain. On to football, with just one playing day to the end of the League 1 and 2 championships, the battle for dominance intensified this Sunday on match day 4 as the fight for title and survival will go down the wire on the last day. Peter Sose with the review of match day 4. UMS of Lome maintains the leading position in the top department of the League One playoffs, despite losing 0-1 to APG Somfou, who moved to third on the table. Coton Sport failed to upset UMS after being pinned down 1-1 by Dragon FC of Yaoundé. Future FC recorded its first victory in the playoffs by beating Star Renard 2-0 at home. Fufu of Baham dismissed Union of Douala 1-0, while Unispor were thrashed 3-0 away to New Stars in the down department of the playoff. Astro and PWD failed to outscore each other, settling for a virgin tie. Fufu, Union and Astro are all tied on 7 points, while PWD is closed with 6 points.
In the League 2 championship, Panthers has lost grip on the top of the top department after suffering a 3-2 defeat to FAB, while Canon leapfrogged the Mbagante side following a slim 1-0 victory over Leopard. Renaissance Onkumu lost at home to Bambutos 1-0. Canon and Panthers now share the spoils at the top with 7 points as FAB closes in with 6 points. Yafut has established its hold to stay in the division after beating Bank Bullet 2-0 in the down department of the League 2 playoffs. Egle of Chang lost to Leon Blessé 3-1, while Dinamo and Etoile Miki separated 0-0. Yafut is hanging firmly on 8 points, 2 more than Leon Blessé on 6 points. Dinamo is third on 5. On reste en sport, cette fois-ci volleyball féminin. Le Cameroun va participer à la phase finale des prochains Jeux africains dans cette discipline lors du tournoi qualificatif qui s'est disputé samedi et hier dimanche à Yaoundé. Les Camerounaises n'ont cédé aucun set au. Arrivées dans la capitale camerounaise quelques heures plus tôt, ont été laminées par Stéphanie Fotso et ses coéquipières sur le score de 3-7-0. 25-16 pour le Cameroun au premier set, 25-6 au second set et 25-15 au troisième et dernier set. Dimanche 2 juin, la RDC n'a pas réussi à faire le poids face aux Camerounaises qui remportent la phase retour de ce match sur le score de 3-7-0 une fois de plus, 25-13 au premier set, 25-17 au second set et 25-21 au troisième set. Grâce à cette double victoire, le Cameroun s'est qualifié pour les prochains Jeux africains dans cette discipline. La phase finale de cette compétition est prévue du 19 au 31 août 2019 au Maroc. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, John Paul. Good evening, Oriane. Thanks for watching and a good night. STV, votre télé.